Kamel, il est danseur et on avait envie de quelque chose qui soit pas de la danse mais en même temps qui se rapproche. Et Freddie Mercury, c'est un personnage parfait parce que c'est un chanteur mais il a une espèce de fragilité qu'on peut retrouver chez Kamel. Et donc, quand tu regardes cette photo, pour moi, on a cette espèce de croisement de culture qu'on recherche tant. Freddie Mercury, pour moi, c'est déjà son histoire. C'est d'où il vient. Un jeune mec de banlieue qui est passionné de musique et qui devient l'une des plus grandes stars interplanétaire, et puis cette voix extraordinaire. Il aurait pu être chanteur d'opéra, il décide d'être chanteur pop. Et puis voilà, sa musique me parle vraiment. Et puis c'était quelqu'un qui était hyper scénique, qui aimait se mettre en scène et il racontait quelque chose à chaque fois. À chaque fois qu'il a sorti un morceau, c'était un film, quoi. Peut-être à sa fragilité. Parce que derrière la superstar qu'il était, il avait quand même un background un peu compliqué, familial, et puis aussi par rapport à son histoire personnelle. Moi, je suis artiste, et l'idée d'être un artiste, comme un acteur, un danseur, c'est d'interpréter des rôles et de mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Moi, je trouvais ça plutôt chouette. Puis, quel personnage ? Ouais, je connaissais. Et ce que j'aime, c'est aussi, moi j'aime la mise en scène, j'aime le côté théâtralité de la chose. Ça aurait été une photo en noir et blanc, toute simple, c'est pas moi. Pour moi, c'est un reflet de la société, c'est être ensemble, c'est-à-dire que c'est le partage. Et puis c'est la vie, quoi, en fait. On raconte. C'est assez représentatif de... En fait, on pose des questions, on essaie de transmettre des réponses et on interroge, voilà, on interroge. Puis c'est aussi parfois des moments de fête et de liesse populaire aussi, et d'échange. Quand je vois la photo, évidemment que je vois Kamel, mais je vois aussi Freddie Mercury. Et je trouve que cette photo, elle est bouleversante et elle a une espèce de tristesse qu'on peut imaginer chez le chanteur. Et pour ça, je pense que Kamel a amené beaucoup.